Capitaine, elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Iten Versio. Escouade Inferno. Commandant Versio. Vous devez être importante. Regardez-moi. Venons-en au fait. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès? Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. L'analyse montre que cet ID-10 a été modifié à l'aide d'un aiguillon à électrochoc. Ça ne servira à rien si... Monsieur, il semblerait que l'ID-10 ait été activé à distance. Droïde, exécute le plan. Télécharge les plans du vaisseau depuis leur terminaux, puis retrouve-moi. Commande veut un rapport sur la transmission impériale qu'on a interceptée. Merci. Le commandement veut des nouvelles avant Endor, si possible. Ça va, on est dans le temps de prévu. Je
chiffrage est étrangement complexe. Je vais faire au plus vite, mais je ne promets rien. Le fait passé. Devant ma cellule. Trouve autre chose. D'abord, on intercepte le message officiel. Ensuite, on capture un agent des forces spéciales. Pour finir, il localise la nouvelle étoile de la mort. Ouais. L'escadron Gold, l'escadron Gris, l'escadron Corona, l'escadron Lame, l'escadron Rail. On va gagner cette guerre, c'est certain. Sans pour moi. Avant qu'on s'en rende compte, l'Empire n'existera plus. Et la princesse Leia constituera un nouveau Sénat.